Qui c'est, à moi? Oui. Pardon. Êtes-vous Sabine Barnerias? Ah non, désolée. Je ne suis pas Sabine Barnerias, mais toutes les trois, nous faisons quand même partie du même club. Je veux parler du club des anciennes d'Antoine Doinel. Moi, je suis sa femme. Enfin, l'ancienne. Écoute, on peut très bien dormir comme ça. Moi, je vais dormir dans le fauteuil, toi, tu dormiras dans le lit et tout se passera très bien. Mais je ne peux pas dormir dans la même pièce que toi! Oh, bah tu sais pas! Ah. Il a essayé de se suicider, là, il y a une heure. Moi, je veux bien essayer de le défendre. Et moi, je voudrais bien savoir ce qui se passe. C'est trop facile de faire n'importe quoi et puis de s'excuser après. Et comme j'ai horreur de souffrir, alors j'ai décidé que nous ne nous verrions plus. Est-ce que je me trompe en imaginant que vous venez ici en chargée de mission? Moi aussi. Mais moi, j'enquête pour mon compte. Il me semble que si Antoine pouvait récupérer ce document, me demandez pas davantage d'explications. Et puis, il faut absolument retrouver la photo. C'est Antoine Doinel. Il n'a pas changé, celui-là. Il court toujours. Mais où? Je suis complètement... complètement mobilisée par toi, espèce de salaud. Ce salaud d'Antoine a réussi à me culpabiliser rétrospectivement. Écoute, si tu me prends pour une colgarde, t'as qu'à le dire, mon vieux. Ou alors, tu me payes à chaque fois qu'on fait l'amour. Alors, il a été tellement ému. Tellement ému qu'aussitôt, il a couché avec elle. Les temps sont difficiles, Antoine. Alors, comme beaucoup de femmes qui sont pas trop mal foutues, je me défends la nuit dans les wagons-lits. C'est ma spécialité. Je donne 10% au contrôleur. Chut.